On va voir de belles phases, encore une fois, sur l'inscription aux plateformes, je pense, parce que un up smash de Didi ou drop sur une plateforme, ça peut tuer très vite sur PS. Ouais, bah oui, c'est surtout que. Mais c'est surtout la banane qui fait peur. Hein. M4, il a intérêt de faire attention au moindre geste de Nico parce qu'une banane, ça se voit pas beaucoup en plus. Tu vois, la toupie, hein, les projectiles, faut faire très attention aussi du côté Nico. On se cherche un peu là en termes de projectiles, on voit la toupie. Ah là, ça va être bagarre de toupie finalement. C'est Nico qui jette les toupies et peut-être Rob qui sort les bananes. C'est ça. On essaye de trouver des petites phases aériennes des deux côtés, on essaye de prendre la température avec des projectiles. On récupère le projectile de l'un et de l'autre, hein, la banane qui est prise par le Rob. Ouh, le spike qui est trouvé sur Nico. M4 qui trouve une phase de fou furieux là-dessus. Et qui continue à aller taper vraiment une 4 laquée qui est on fire, du nerf, du up air, du F tilt. Ah non, c'était à tout pis, j'ai cru qu'il avait une taunt en plein. J'ai cru qu'il avait une taunt en plein match, mais non. On voit que là, la toupie fait du taf et que M4 il joue très bien aussi autour de sa range qui peut avoir beaucoup de nerfs. Par contre, Nico qui va galérer à revenir parce que la Rico de Diddy Kong elle est vraiment pas très bien et Marc est en train d'oblitérer Nico, c'est vraiment terrible. Hein. Catch. Là faut jouer avec la banane, faut essayer de jouer super safe, mais M4 qui est impérial en tout cas. Il est impérial, il fait des nerfs, des down tilt, vraiment il est impérial, il joue trop bien. Down tilt, il grave le shield de toute façon, il shield poke. On joue très bien avec ces projectiles hein, du côté de M4, on essaye de trouver de quoi mettre la pression à Nico avec des nerfs, des projectiles, il lâche absolument rien. Nico qui a peut-être trouvé le kill là-dessus. Non, bah non, la Rico de Rob, elle est vraiment beaucoup, très imprévisible. Hein, et il continue ses phases. Don't tilt encore. Et le Bakir qui est trouvé. Oh, ça fait mal à Nico. Et... Oh, yeah. Nico qui est encore dans une phase de désavantage. Oh là 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 là. Le up smash. Oh, oi. Qu'est-ce que t'es. Oh là, c'est Peggy 18, les amis. Qu'est-ce que c'était que ça. M4 qui est vraiment dans une situation d'avantage de fou furieux. La game a duré moins de 20 minutes. La game c'était un TikTok. M4 a trop bien joué. Faut que Nico se ressaisisse et qu'il joue. Il fait super attention au projectile de M4 en fait. Bah c'est surtout oui, il doit essayer de plus agresser parce que c'est Rob qui mène le jeu là vraiment. Vraiment Nico ne mène rien. Faut vraiment qu'il arrive à dicter son tempo et réussir à mettre des bananes pour tuer. Faut voir sur quel map il repart. Je sais pas si on va vouloir repartir sur PS2 avec ce qu'on sait plus. Ouais, je sais pas si on va tenter la PS2 en vrai. Je pense au niveau des bans, ça va. Attendez. C'est M4 qui ban, donc ça va aller sur. Je pense du Small Battlefield pour Diddy Kong, ça va pas être dégueu, c'est pas déconnant, je pense. Je pense que là faut juste respirer du côté Nico, reset mental. Ouais. Parce que se prendre un 3 stocks ça peut être très difficile, on sait que mental ça fait beaucoup d'enjeux. Je pense qu'il doit réfléchir. Non, ah ça nous brain. Alors qu'est-ce que ça cherche. Ah pas PS2, j'ai rien dit. Voilà. Tout ça pour ça. Ah Nico, Nico qui a changé de cloud. En vrai ça se comprend quand on s'est fait obliterer comme ça, bon. T'as pas envie de rejouer Diddy Kong, ça se comprend. Du coup, Cloud, nouveau match-up. On va voir ce que peut trouver Nico là-dessus parce qu'on sait que Rob ça peut être un peu un sac à combo, hein, ça reste assez gros. Et Cloud peut être assez fier de ce genre de choses. Ah voilà, ça va peut-être être plus facile surtout de pouvoir trouver des options. Il a plus de range, il a pas que la banane, il a des projectiles avec son neutral B, il peut faire des backers, il peut faire des fers. En vrai, il a beaucoup d'options pour le coup, Nico. Il faut faire attention à pas trop taper dans le shit non plus comme on vient de le voir parce qu'on peut se faire punir assez vite. M4 qui réussit à trouver une petite phase, qui joue avec la toupie et beaucoup de projectiles en face à Cloud, c'est très fort. Par contre il donne grab et non c'est bon, ça a pas trouvé de kill mais Nico qui est toujours en désavantage, le B qui est tenté par contre ça c'était un peu bizarre mais ça trouve quand même le pic. On a la limite là qui est chargée, ça peut partir très vite en bord de terrain sur une limite. Mais M4 qui reprend quand même l'avantage, hein, qui fait une très belle phase. Grab, up air, et voilà, bah, ça va tuer le classico-classique de Rob. Et on est au bord du terrain, Club qui réussit à trouver une petite phase d'avantage. Faut essayer de mettre ce Rob hors du terrain, pas de se faire reverse comme on vient de voir. On peut le voir, oui.
Là vraiment il arrive à rien. Vraiment il ne sait pas. Je pense que niveau ému c'est un peu galère. Il trouve vraiment pas de solution. Nico, c'est un peu dommage là-dessus. Bah faut dire que ce soir contre avec Young ou Didi, c'est très bien de jouer contre un perso qui met beaucoup de projectiles. Et puis Rob trouve énormément là actuellement de nerfs, histoire de trouver de la pression, de trouver de la range. Ah bah oui, là la range, il essaye de la trouver mais il ne la trouve pas, notre pauvre Nico. Il a la limite, peut-être que ça va tuer, voilà. Oui, il arrive à trouver le neutral B, c'est parfait. Là, faut juste faire attention à pas se faire catch, à pas se faire avoir par des toupies ou des projectiles. Là, faut essayer peut-être de jouer un peu tranquille du côté de Nico, prendre la température et éviter ce genre de phase d'avantage que peut mettre. Ah là, oui, mais en plus, les attaques sont un peu douteuses. Nico, vraiment, ces situations d'attaque, je suis pas sûr de la manière d'attaquer que soit la bonne et surtout. Du coup, il perd beaucoup d'interactions sur ça, une attaque mal faite et Rob qui juste reverse sa situation. On voit que Nico il se fait vraiment beaucoup avoir sur les phases de toupie, nerf et de laser. Faut essayer de jouer un peu autour de ça. Puis MK qui a des phases d'avantage, qui retrouve un grab qui va peut-être tuer, qui met Cloud en dehors du terrain et qui trouve un père. Voilà, le père, toujours lui. Le père de MK qui fait vraiment peur hein, pour le coup. Ça tue vite. Là, le laser qui est trouvé, qui est pari, la toupie qui est prise, le nerf encore une fois, on trouve à peu près toujours les mêmes phrases du côté de M4, mais tant que ça marche, on ne changera pas notre manière de jouer. Oh la toupie, le combo de toupie, par contre ça peut faire mal, 58% déjà, la lame. Le M4 qui trouve déjà beaucoup de pourcent. Bah, la toupie qui est mise en dehors du terrain, ça fait très très peur hein, quand tu es en face de la trappe. On a trouvé un grab, peut-être un upper. Oh non, ah il a limite, ça c'est dommage. Là il a plus de limite et il se prend un back air et c'est terminé, c'est ciao bye bye et c'est fini tout. Bon au moins on s'est pas pris un 3 stock hein, sur ce match. Mais M4 qui a été vraiment impérial hein, pour le coup là. M4 là, qui nous trouve des phases absolument magnifiques, hein, magistrales. Là c'est. Alors il y a 2-0 pour M4. M4 qui a vraiment été impérial, vraiment.